1805. Napoléon est empereur des Français. Il est en pleine gloire. Il vient de remporter la bataille d'Austerlitz. Le soleil d'Austerlitz. 1813. Avec la grande armée, Napoléon envahit la Russie. Les Russes n'opposent aucune résistance. Ils laissent passer les Français. Ils les laissent traverser toute la Russie, arriver jusqu'à Moscou, la capitale, entrer dans Moscou, sans combattre. Il paraîtrait que Napoléon ait gagné la guerre. Mais maintenant, il faut retourner en France. Et Napoléon n'a pas prévu le terrible hiver russe. En fait, il pensait que les choses iraient beaucoup plus vite, mais les Français se sont trop attardés à Moscou. Et cette année-là, l'hiver est très en avance. La neige commence à tomber jour après jour et la température a baissé. Elle va atteindre 40 degrés en dessous de zéro. Et les soldats français n'ont que leur tenue d'été, très légère. La plus grande partie de l'armée française, la fameuse armée française, la plus puissante du temps en ce temps-là, va périr et disparaître sous la neige. C'est un désastre. Napoléon abdique. Et les Anglais l'envoient en exil sur l'île de Sainte-Hélène, où il va mourir quelques années plus tard. Certains disent que les Anglais l'ont empoisonné. Ce ne serait pas étonnant, vous savez. Les Anglais nous ont empoisonnés tout au long de notre histoire. Et les poètes? Que se passe-t-il avec les poètes de ce temps-là? Eh bien, les poètes sont romantiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ils s'imprègnent d'un ennui profond. La désespérance est à la mode. Les amours doivent être malheureux. Regardez, des ombres noires passent dans des décors de châteaux en ruine, au milieu des tombes d'un vieux cimetière, éclairé par la lueur blafarde de la lune. On ne peut pas dire que les poètes romantiques soient des modèles de petits plaisantins. Leur obsession, c'est le suicide. Mais ils ne vont pas jusqu'à mettre leurs idées en pratique. Et la plupart d'entre eux vivent dans le bien-être et les honneurs, comme par exemple Alphonse de Lamartine, poète et homme politique. Cet homme, grand, mince, élégant, pâle, représente la naissance du malheur dans la poésie. Il aime souffrir, il aime se désespérer. On a à peine aujourd'hui à imaginer l'importance que pouvait avoir un poète en ce temps-là. Les gens se levaient quand Lamartine entrait au théâtre. Et lui,
ne pouvait pas faire un pas dans la rue sans qu'aussitôt une foule d'admirateurs ne se mette à le suivre. Il recevait de ses éditeurs des sommes d'argent fabuleuses. Mais lui était plus habile que n'importe qui pour se ruiner en tentatives insensées. De tentatives insensées, il en est une que partagent tous les êtres humains depuis la création. C'est celle de retenir le temps, retenir le moment de bonheur. Et Lamartine lui-même a traité ce thème dans un poème ô combien fameux. Autant suspend ton vol et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Assez de malheureux ici-bas vous implore. Coulez, coulez pour eux. Prenez avec leurs jours les soins qui les dévorent. Oubliez les heureux. Prenez avec leurs jours les soins qui les dévorent. Oubliez les heureux. Mais je demande en vain. Quelques moments encore, le temps m'échappe et fuit. Je dis à cette nuit, sois plus lente et l'aurore va dissiper la nuit. Aimons donc de l'heure fugitive, hâtons-nous, jouissons. L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive, il coule et nous passons. L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive, il coule et nous passons. Mais je demande en vain, quelques moments encore, le temps m'échappe et fuit. Je dis à cette nuit, sois plus lente, et l'aurore va dissiper la nuit. Aimons donc, de l'heure fugitive, hâtons-nous jouissons. L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive, il coule et nous passons. L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive, il coule et nous passons.